Bonjour chers amis, alors aujourd'hui on va réaliser ces bonnets au crochet. Là c'est un bonnet taille naissance, vous pouvez en faire en une taille de 3 à 6 mois et même de 6 mois jusqu'à 12 ou bien 13 mois. Alors donc pour ce tutoriel on va réaliser celui-ci donc pour une taille de 0 à 3 mois, donc la taille naissance. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, donc on va réaliser ce bonnet. Donc, pour réaliser ce bonnet, j'ai choisi de la laine marque la marque Alizée, voyez, avec des petites décorations sur la laine. Et un crochet numéro 3 et demi et une paire de ciseaux. Alors donc pour réaliser ce bonnet, on va commencer par monter une chaîne, petite chaînette. Donc ça c'est pour une taille de 0 à 3 mois. Alors je fais une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc 30 mailles, j'ajoute une, 2, 3, 4 mailles. Au total, j'ai monté 34 mailles. Monté 34 mailles au total. Alors, pour commencer, donc, ça c'est la base. Je saute la première maille, je viens piquer dans la deuxième. Et je refais. Donc je vais faire la même chose sur toute la rangée. Fait du tout sera les 34 mailles. Et donc là, je vais terminer. Et la dernière maille. Ça, c'est la première rangée donc. Avant de tourner donc ma rangée, je fais une maille chaînée en l'air. Et je tourne mon travail. Alors je ne vais pas tricoter la maille en l'air, je viens tricoter dans la maille de la fin, pas cette prise, mais je fais et je pique là. Vous avez ce côté et ce côté extérieur et intérieur. Alors on refait la même chose sur toute la rangée. Alors,
Je vais terminer la rangée. Je vais crocheter la dernière maille. Et je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et donc je refais la même chose. Je saute. Je tricote pas la maille en l'air. Je viens piquer dans la maille d'avant. Donc ça me fait une rangée, deux rangées, trois rangées. On termine. Dernière. On refait une maille chaînette. On tourne le travail et on repique. On va monter notre bonnet de cette manière. On va travailler de cette manière. Donc, au total, on va monter 48 rangées. 48 rangées à 50 rangées. Donc, on va compter la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on monte 48 rangées à 50 rangées. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai monté au total 50 rangées. Alors, donc, pour la suite, ce que je vais faire, là, je suis à l'extérieur et là, je suis à l'intérieur. Seulement, j'ai retiré, donc j'ai fait sortir les petites décorations. Simplement, je prends mon crochet. Il suffit de piquer pour faire sortir les petites décorations. Alors comme ça, je suis à l'intérieur et je suis à l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, je prends les deux côtés. Oui, je me sers plus. Alors, je vais simplement tricoter les deux côtés avec des mailles coulées. Donc, je prends cette partie. Ensemble, deuxième partie. Je prends cette partie, ça. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Ici. Donc, on fait, on colle donc les deux parties. Donc, on termine. Dernière maille et le tour. Alors, je coupe ici.
C'est très élastique. Alors, donc, je prends une aiguille, je vais enfiler de la laine sans décoration cette fois-ci. Et je viens ici, ce que je vais faire. Je vais piquer. À la fin, j'ai mes lignes que j'ai simplement tiré. J'ai bien tiré sur la laine. Ceci. Alors, je vais faire passer mon aiguille. Et là, donc je vais tourner. Voilà donc. Là, je vais simplement plier. Je vais réaliser mon pompon. Ce qui me reste à faire, c'est de le poser sur mon bonnet. Voilà. Alors, lorsque je termine donc de placer mon pompon, je passe un peigne. Je vais simplement peigner pour que ça soit plus doux. Une fois terminé, je vais simplement tailler le tout.
Alors, non, voilà le tutoriel que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, terminer notre bonnet. Alors, à toutes, je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et je vous souhaite un très bon week-end.